Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode sur Forward to the Sky, un petit jeu très rapidement sur Jeu en Folie. Vous vous en patientez pour Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1, je sais que vous l'attendez avec impatience, je travaille dessus comme un malade dès que j'ai un peu de temps, enfin il faut que je vous sorte un peu de contenu, donc je favorise Forward to the Sky actuellement parce que j'ai très peu de temps pour faire ça, mais je vous promets qu'en mars, Hyper Dimension sera prêt, il sera même fini. Voilà. Enfin, je finirai le jeu. Après, je ne sais pas quel jeu on pourrait commencer en let's play. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez avoir une idée. Est-ce qu'on fait le Rebirth 2? Est-ce qu'on fait autre chose? Dites-moi. Moi, je suis ouvert à toute proposition. J'attends vos commentaires. Voilà. Bon, sur ce, on continue ce quatrième épisode de Forward to the Sky. Alors, je lis juste la dernière ligne parce que j'ai lu dans l'épisode précédent les deux premières. Donc, les cristaux ont accepté la sorcière et sont devenus amis, mais la sorcière savait au fond de son cœur que les cristaux ne remplaceraient jamais une vraie personne. Elle voulait retourner dans le monde des humains. Donc voilà, tout de suite on continue avec l'épisode 4 sur Forward to the Sky. La sorcière me rappelle que les cristaux sont si seuls. Alors attendez, je me rappelle plus du tout là. Là, ça doit être un truc super chaud si je me rappelle. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Oui, forcément, je tombe. Ça paraît logique. Oui, donc l'œil, il faut le mettre dans le bon sens pour le pousser vers là-bas, si je dis pas de bêtises. Ah, on peut tout tourner de troc. Voilà, comme ça, le niveau apparaît. Je l'ai pas mis dans le bon sens, excusez-moi. Voilà. Aïe. Ah, c'est le sorcier gel maintenant. Attends, parce qu'il faut toujours que je trouve ces petits endroits cachés. Et je fais le tour parce que je suis totalement teubé, mais bon, ça c'est autre chose. Ok, donc on continue par là. Hein. Ah, il y a un escalier là. Ok, donc elle demande qu'est-ce qui se passe, la sorcière et tout. J'ai traversé cette tour pour t'aider. Je crois que j'ai fait une erreur monumentale en fait. Ah oui, mais il me gèle quoi. Oui, non, non, faut que je fuis parce que là je suis pas bon là. J'adore comment je fuis. Donc, tombe dans le trou, ça sera plus simple. Bah oui, évidemment, tiens. Ok, oui, donc là on va juste préparer, mais il faut que je retourne, que je traverse tout. Oh là là. Je peux pas tout bien faire du premier coup, non, faut que je fasse XX fois la manip. Vous croyez que sauter de là, ça va me faire mourir? Ok, d'accord. Ouais, non, ok, j'essaie plus de speedrun, je fais comme il faut, je suis niveau. Par contre, l'épée qui passe à travers les escaliers, ça m'a toujours fait rire. Oui, bon, je sais qu'on est dans un jeu vidéo, mais bon, quand même, quoi, un peu de physique. Ça fait pas de mal. Voilà. Du coup, vu que j'ai placé l'autre, normalement, j'aurai aucun problème. Vous êtes sérieux? Il y a le pylône qui gêne. Non. Faut aller jusqu'à ce niveau-là. Attends, là je peux passer là? Ouais. C'est bon, il gêne plus, il n'y a plus rien. Je remonte. Ouais, non, en fait, non. Faut que je repasse là-bas. C'est pas possible. Je vais faire je ne sais combien de montées d'escalier aujourd'hui.
Ok, un petit problème avec les textures, mais bon, c'est pas grave, vu que c'est transparent, on pourra rien dire. Alors. After I enter the Sky Tower, I'll defeat the Witch of the Legend, and then receive everyone's adoration. Only this way will things be okay. Ok, ah oui, d'accord. Si je me rappelle. Alors, j'ai juste envie de dire, tout à l'heure on m'a embêté pour un poteau, mais alors là, franchement, au millimètre quoi. Oui, mais non, là en fait je m'en fous. Ouais, là c'est mieux. Ça je peux monter. Voilà. Pourquoi penser que la sorcière est méchante comme la légende le dit? Si c'était pas le cas, pourquoi les squelettes attaqueraient les humains? Oula, qu'est-ce qui se passe dans cette autour du ciel? Ok, d'accord, ah oui, il faut vraiment run là-dedans. Oui, si on devient ami, tu pourras me dire le secret de la tour du ciel? Trop d'or, c'est parti. Ouais, j'ai eu de la chance. Voilà, comme ça on va battre cela. Non, on va pas éviter de tomber, ça me m'arrangerait. Voilà, parce que je fais pas attention à ma vie. 1000 PV, ça passe. Mais comment ça se fait qu'il meurt pas, lui? Ah, quand même. Ça, à mon avis, c'est pour remonter de quand tu tombes. Ouais, exactement. Et je vais devoir tout faire d'un coup, là. Ça va être super dur. Mince. Ouais, je savais. Ça fait bizarre hein, de jouer avec des plateformes à moitié visibles. Et c'est parti. Oh mais non, mais vous rigolez là, je l'avais franchement. Bon allez, 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 on y arrive du premier coup. Je rigole, non, on y arrive du 5ème ou 3ème. Voilà, encore. Mais non, mais arrêtez, putain, mais à chaque fois. Alors, par contre, 163 PV pour finir un niveau, ça va être très très dur, je pense. Jamais eu de game over, faut savoir ce que ça fait. Et je me mets safe là-bas après. Mais non, mais tu rigoles quoi, on n'a pas le temps. Attends, je vais essayer de technique. Géronimo. Allez. Allez, là je suis bien. Là je suis bien. Là je suis très bien. Ouais, il faut y aller de toute façon. Allez, allez, allez. Bouge-toi. Fais pas les plateformes, j'ai pas envie de mourir. C'est bon. Eh bah, c'était. Comment je l'atteins l'autre là-bas? J'ai envie de te dire. J'ai ma petite idée là-dessus. Ouais, là, c'est bon. Celle du milieu a duré moins longtemps.
pas du tout ce que j'ai fait, mais ça a l'air d'être bien. Ouais, cette plateforme-là, on en a pas besoin. Heureusement que je suis monté en haut pour la voir, parce que sinon j'aurais dû recommencer le niveau une énième fois. Et comme vous avez pu voir, c'est pas facile, facile. Je vais passer à travers, voilà, je savais. Non, je pourrais pas enchaîner. Non, j'enchaîne pas. Allez, j'ai fait celui en haut, maintenant j'ai plus qu'à continuer. J'ai eu de la chance. Ou j'ai eu de la chance. Ou j'ai eu de la chance. Bon, on va dire que j'ai pas eu de chance. Allez, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Rien du tout, parce que je l'ai pas mis dans le bon sens. Non, avance. Trop cool, je le fais revenir comme un couillon. J'ai juste envie de dire, ouais, celui-là, il m'a l'air bien. Ça m'a l'air très bien. Ouais. Il doit y avoir quelque chose à faire, mais je sais pas quoi. Attends. Normalement. Non, avant, voilà. Ça, normalement, je suis toute la zone, je pense. Ouais, j'ai mon petit dédale. Alors, il est là-bas, mon petit machin à choper. Ok. Donc, faut que je fasse apparaître la rangée entière là. Pas tellement le choix. Ça, le dernier est pas trop difficile à choper. Si tu veux bien y aller. J'ai raté. Non mais. Ah, tu veux pas le mettre hein. Tu veux bien. Voilà, si tu veux bien, c'est bon signe déjà. C'est pas bon. Il y en a un que j'ai mal réglé. Je suis retour. Ah oui, d'accord. On va le dérégler totalement parce que j'en ai pas besoin. Et celui-là, on va le remettre bien comme il faut. Comme ça va être très bien. Voilà. Ça, je peux passer partout. Moi j'ai envie de te dire, normalement si je fais ça, j'ai accès à tout le niveau.
ma plateforme. Il manque les deux du milieu, mais bon. Non, il en manque pas, j'ai tout allumé. Ouh. Bon, bien voilà, c'est la fin de ce 4ème épisode sur Forward to the Sky. 4ème ou 5ème, je sais même plus. C'est la fin de ce 4ème épisode sur Forward to the Sky. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un max de commentaires, ça fera super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite, c'est-à-dire les deux derniers épisodes. À la semaine prochaine. Tchuss tout le monde!